tous et bienvenue dans ce second épisode d'Objectif Mars avec toute la bande et avec Tugzef. Avec Tugzef, ma gueule. Comment tu vas? Vous avez la coke? Vous avez la drogue? Alors, quelqu'un peut-il expliquer l'origine de ce skin? Léo, par exemple? Je sens que ça va être une très bonne explication sérieuse. Je suis en train de manger. Non, mais t'es sérieux? Tu bouffes IRL, mec? Ouais. Oh, mais le mec, quoi. Qu'est-ce que tu bouffes? Qu'est-ce que tu bouffes, moi? Dis-nous. Des miel pops, je suis sûr. Des biscuits fourrés choco. Ah, bon, très bien. Parce qu'on vous l'a pas dit, mais on tourne, il est 9h du matin. Voilà. Absolument. Et bon. Sinon, on se retrouve tous chez moi pour manger un couscous. C'est ça. On enchaîne les tournages, donc on n'a pas encore eu vos retours sur le premier épisode, mais on espère que ça vous aura plu. Et aujourd'hui, défi, trouver de l'eau, ça serait bien. Ah ouais, je prends le paquet. Bah, on va dire que Brioche commence à se dessécher déjà. Ouais. Et il commence à laisser des miettes partout, donc faudrait peut-être l'hydrater un petit peu. Ouais, j'avoue, là, ça commence à devenir critique. Bah, il moisit, quoi. Ok, alors. Je vais faire un deuxième saut parce que ce serait bien de ramener une source d'eau infinie, tu vois. Ouais, mais faut me tuer. Toi, tu me comprends. Hein. D'accord. Toi, tu me comprends, ma grande. Alors, tout le monde vient ou on se. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, tout le monde vient, on essaie de trouver l'eau. Ouais. Alors, le créateur de la map m'a donné un petit indice. Oui, je t'aime, toi, oui. Il m'a donné un petit indice, donc je sais que c'est censé être dans un endroit auquel on ne pense pas. Alors après. Ouais, c'est. Super un indice. Ouais, je sais. C'est quelque part, mais ailleurs. En haut de la pyramide, non? Ouais. On peut aller voir en haut de la pyramide, tout à fait, ce qu'il y a de toute façon. C'est sous la lave. Comme ça, on pourra voir le panorama. Ouais, mais moi je vois bien un truc comme ça, style sous la lave, ouais. Mais grave, mais alors. Ok, donc vu que c'est Rosegrim qui a proposé, c'est lui qui sautera dans la lave au gomme. Voilà, Rosegrim sautera dans la lave. J'ai rien dit. Trop tard, tu l'as dit, on t'a entendu. J'ai rien dit. Eh, bonne nouvelle, c'est pas ici. Il y a un coffre ici, avec. Wouh, les mecs! Non, mais vous êtes partis! Venez, on est en haut de la pyramide, il y a une belle épée avec des steaks. Alors oui, on a apparemment pas mal de petits coffres, vous voyez, par exemple ici c'est ouvert, mais il y a pas mal de choses à y avoir dans la pyramide. Putain, mais les grottes, putain. Oh, les grottes d'ailleurs. Ah, mais merde. On dirait de la neige en bas, non? Ou du quartz? C'est pas de la neige, c'est du quartz. Léo? Non, mais c'est de la neige, je peux la faire. Non, c'est la glace qu'on fait fondre. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, merde. T'es vraiment thug, hein. On l'explore. On a un peu trop de thug, toi. On l'explorera plus tard, non? Je propose. Oh, ouais. Il est mort. Coffre devant. Réussissez-le à la pyramide. Ta marchandise. Ok, attends. C'est officiel. Ah, mais c'est là. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Réussissez le labyrinthe pour vous rafraîchir. C'est quoi écrit? Thug écrit en commun. Ah, parfait. C'est un labyrinthe, par contre, on fait quoi? On se sépare? Ah oui. Panneau. On a pas le choix. Attends, y'en a déjà deux qui sont partis au loin. On est 6, on va à 3 de chaque côté. Bon, je vais à droite, c'est parti. Je vais aller à gauche. Avec ce que tu m'as donné. Attends. Moi je vais dehors. Une pioche surtout. Allez, ouais, pas mort, droppé une. Merci. OB. Panneau. OB. C'est le bordel. Nous on est perdu. Allez, je vois ça, ouais. On a perdu. On est perdu dans les tréfonds de la planète. Rosegrim, libère son énergie noire. Léo, suis-moi, on va explorer. Oh merde. Les mecs, déjà c'est pas à droite quand vous rentrez. Merde, je me suis pas. J'ai trouvé une épée badass. Est-ce qu'il y a la mer noire? Mais tu l'as trouvé où, en haut là, dans la pyramide? Dans la baie. Ouais. Tu vois ce butin là-bas? Non, ouais. Est-ce que tu veux y aller? On va y aller. Oh putain, les mecs. Tu vas m'encourager. Ah mais pareil, là, ça va pas être possible. Non mais papa, pour pas du sable. Bah, c'est très panique parce que ça va tomber tout seul. Ils sont dehors. Et le mec. Sable, c'est pas. Ah oui, non, j'avoue, c'est pas. Ah les mecs, mais laisse-le. Et eux, de toute façon. Bon, vision de notre. On va les laisser de leur côté. Je crois qu'il y a deux séries en même temps. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est Léo. Objectif Mars, c'est les aventures de Tugzef. Ah, j'ai trouvé la sortie. Ah, c'est ça que je cherchais. Et puis merde. Est-ce que je suis trop un thug? Oh putain. Mais j'ai perdu. Les mecs, on vient thug. Zef, qu'on se le dise, jamais un FK sur les Jamais. Ah bah justement, en parlant de ça. Oh putain. Je suis perdu. Ouais, mais moi aussi, mais là, mais en fait, on en a pour des années. Il faut toujours suivre le même mur. Ouais, mais. En plus, moi, je pose même pas de torche, donc je sais même pas où je vais. Oh, un coffre! Avec un, j'ai une armure, les mecs! Ok, le bâtiment. Derrière nous, là! Sorti! J'ai trouvé une armure protection 2 en cuir. C'est pas à gauche, hein! Si tu veux, je te bump sur la plateforme.
Mais de quoi vous parlez? Et moi je te bump aussi. De quelle plateforme vous parlez? Les mecs, vous êtes où? J'ai peur. Parce que je suis trop hâteux. Stéphano, derrière toi, attention. Mais je te vois, mais je sais pas où t'es, je sais pas comment te rattraper. Ah bah bravo. Ah, y'a plein de trucs, y'a plus de trucs. Bah c'est vachement utile, c'est de la merde. C'est... On a eu... Ah, on si... a eu... Ah bah Brie, non. Mais alors l'eau... Attends, je... Les mecs, bon, attendez, je vais essayer de ressortir de là, moi, parce que... En fait, je viens de par là. Mais je t'avoue que c'est un petit peu le bordel par là. Bon, je suis sorti, moi. Ah, attends. Oh, les attention. Ah, attends, y a de la glou. Ah, voilà, voilà, là, c'est l'entrée, là. Ils sont où, vous êtes tous dedans? Ils sont là, à gauche. Moi, dans la pyramide, je suis perdu. On est à la pyramide, l'émission sur France 2 qui... En même temps, quand tu vois la taille Pépita. De la pyramide... Mais oui, mais tu vois la taille du truc, c'est un truc de fou. La boîte de jeu, Pépita. Mais regardez, mais regardez-moi les deux, là. Ah, ça, c'est sûr, hein. Bon, moi, je retourne dedans, on sait jamais. Ok, bah, moi, je vais explorer un peu les environs, peut-être, parce que... Moi, j'ai eu ça. Mais là... Ah, bien. Moi j'ai eu ça. Mais pourquoi j'ai eu ça. Épisode, il est full enchant, j'en ai marre, moi, je rage quitte. Mais parce que j'ai trouvé ça dans la pyramide. Mais d'où tu sors une canne à pêche? Bah, je sais pas, on a pas trouvé, donc je... Attends, tu veux que je te fasse une petite coupe? Viens par là, viens. Mais casse-toi. Si ça se trouve, le panneau à l'entrée, c'est un piège. Tu peux... Ah, regardez, il y a un coffre au milieu de la lave, vous l'avez pris? Non, mais on l'a pas, nous, dans la pyramide. Oh, vous l'avez pris. Oh, il pleut sur Mars. Il pleut sur ma tête. Oh putain. Ouvrez la bouche, vite. C'est pas de l'eau, hein, c'est de l'acide citrique. Oh, voilà. La bouche, vite. La t'as trouvé un panneau, tu dis, Grim? Ouais. Et il disait quoi? Y a une flèche dessus. Intéressant. T'aurais de la bouffe, François? Et la flèche indique quoi? J'ai plus de bouffe. Indique à gauche, mais c'est le seul endroit où je pouvais aller. Oh merde. Mais comment on va la trouver, cette eau, sérieux? On appelle ça un panneau pour les treks. Elle est où, je te vois derrière, là? Ah. Viens, on va dans la pyramide. Mais j'y suis là, c'est pas intéressant. OB? Ah bah non. Toi, OB. Je vais me balader un peu au loin, voir ce qu'il y a. Réussissez la labyrinthe. Ah, oui, on a de la night vision. Pour me rafraîchir, mais... Ça veut dire qu'il y a de l'eau dedans, non? Bah oui, je comprends ça aussi, mais... Oh, j'ai trouvé des potions. Ah, bah mais prenez, c'est toujours ça de prix, de toute façon. Donc, c'est ça pour se rafraîchir. Merde, il fait nuit, là, en fait. Il fait nuit ou il y a de la... Non, il y a la pluie. Ouais. C'est qui a posé des torches dans la pyramide? C'est pas moi. Moi j'ai posé des torches. Oh! Salut Xav. Je vais peut-être vous rejoindre en fait parce que c'est un peu le bordel derrière moi. Le thug n'a jamais peur. Ah oui, mais putain. Le thug n'a jamais peur. Le thug arpente les plages. Ah mais c'est une horreur ce truc. Mais oui. Le kiki de Mars. Elle a pour... marcher. Explorer. Ah mais je suis rentré quoi. C'est une bête à plaisir. Y'a quoi là-dessous? Eh mec, y'a quoi ici? Ça choque quand je sors moi, putain. Mais ça choque que moi ce truc. De quoi? Bah à un endroit dans la pyramide y'a de la pierre. Moi j'ai cassé des glos où y'avait des trucs. Ah mais c'est ça alors, ok, merci Brioche. Je dis ça se trouve c'est en dessous, bah il dit c'est pas là où c'est. Oui bah... Y'a peut-être d'autres endroits en fait où y'en a un. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que moi je suis paumé déjà dedans la pyramide. Oui, mais ouais. Comment on fait pour sortir? Oh, y'a un truc là. Mais y'a des coffres qui ont déjà été pris. Oh, j'ai trouvé un coffre vide, d'accord. Je suis mort à l'entrée, vous pouvez récupérer mon stuff. Le thug s'est fait voler. Mais y'a un zombie dans la pyramide. Où est-ce qu'il faut? Bah, bute-le. Un zombie? Attends, je croyais que les mobs pouvaient pas spawner sur la bedrock. Ah, ils m'ont suivi. Je crois que. Oh, j'ai un coffre. Oh, Grim, coucou! Va pas par là parce que là c'est qu'on a les mecs, j'ai un coffre avec des tableaux, des fire charge et une anvil. Oh yeah. En fait, je t'avoue que je fais la méthode de suivre le même mur depuis tout à l'heure. Ouais, à défaut de trouver de l'eau au final. Ah putain, mais je vous vois moi là, je vous vois tous les trois. En plus, ça tonne de. Hey! Hey! Bonjour! Hey! Hey! Oh, ouais. T'aimes pas moi hein! Aide-moi! Oh putain! Ce tombeau sera votre donc. Bougez pas, je vous rejouais. Je propose d'aller poser ce que j'ai. À trouver. Bah alors, l'eau c'est peut-être pas là. Bah venez on continue. Ouais, venez explorons alors, mais c'est le bordel là en fait avec la pluie et tout. En fait, c'est le bordel depuis qu'on parle. Oh, j'ai trouvé la sortie. OK, ça explose. déjà moi je vais remettre ce que j'ai là-bas parce que Vladimir Poutine. What? Mais what the fuck? Il est complètement thug. Thug man. Thug. Ah oui, alors d'ailleurs on remercie fortement les mecs qui nous ont écrit thug là sur le devant le pénis. Ouais, devant le pénis, ouais. Poule l'araignée. Pardon. C'est moi, je voulais écrire Stuxet. C'est moi, tu viens de faire du Spider-Man.
Oh mais les mecs quoi. Bon, je mets en sécurité déjà ce qu'on a trouvé, à défaut d'avoir trouvé le reste. Déjà bien. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Il y a des graines, je vais nourrir les poulets. Vas-y. Ok, bah moi je vais être professeur des écoles, donc je prends les tableaux. Hey Grim, t'es toujours dans la pyramide ? Ouais. Ah bah oui, je te vois à travers le mur. Coucou ! Où se rend-t'en ? Complètement perdu. Charge. Le mec est sérieux. Mais regardez ce qu'il nous met. Mais what ? Mais what ? C'est trop mal. C'est qui a fait cette tare là ? Bah à ton avis. C'est du Picasso presque là. Oui, mais presque frère. Oui. Le manoir est beau. Ouais, le manoir. Le manoir. Est frère, Léo. Au prochain épisode, je te mets une moustache. Parce que... Oh mais merde. Oh mais non mais à la fin. En fait, à la fin, il va enlever son skin de cosmonaute, il va mettre autre chose. Il faut qu'on trouve. Quelqu'un a de la. Ne serait-ce que de la rotten, s'il vous plaît. Ah ouais, j'ai de la rotten, moi. Hop, ah, bah, j'en ai, mais il faudra que tu me trouves dans le labyrinthe. Quoi bon, mais je suis déjà passé par là. Il y a du sable. En gros, Grim, c'est le seul gentil qui est en train de chercher. Quoi. Non, oui, mais c'est dedans aussi. Sucre. Ah, j'ai cherché aussi. Mais j'ai de la canne à sucre. C'est que vous avez la canne à sucre. Ah bah, mets-la en sécurité. Le mec, il a de la canne à sucre. Juste, petit truc dommage. Quand il pleut, on a plus le beau ciel. Oui, aussi, ouais. Mais... Ah, c'est un ciel tout noir. Beaucoup aujourd'hui, canne à sucre. Je torche un peu avec l'histoire de sécuriser le maximum la planète. Ça te fait marrer, ça. Hein. Moi. ça te fait marrer. Ah bah si c'est comme ça, je m'en vais. À tous les coups, ça doit être au centre de la pyramide. Mais ouais, mais. Comment veux-tu trouver un truc pareil ? Non mais... Mais il a pris la super épée en plus. Je vais essayer d'aller voir la base. Arrêtez de masturber cette porte, monsieur. Ça change de couleur. Elle a demandé. Oh oui. Bah elle aime ça. Oh, hein. Oh non, j'ai bientôt plus de vision nocturne, fuck ! On croit en toi, Grim. Ah oui. Ça y est, je vais complètement me perdre, ça maintenant. Ah non, mais je suis dans le noir total. Ah joui. Mais qu'est-ce qu'ils font là ? Ah joui. Au pire, t'as la solution du suicide, hein. Ouais, mais il a son stuff, il a récupéré des trucs, donc... Attends, une simple question, on peut mourir de faim sur le serveur, au moins ? Non, on est pas en difficile. Donc tu es condamné à errer... dans la pyramide. Mais en fait, moi j'ai plus le seau, donc si je trouve l'eau, je serais bien... Oh, j'ai trouvé un bloc de cobble. Ah oui, c'est moi qui l'avais mis, c'est moi. Au sol ? Ouais. T'es vers la sortie, C'est la découverte, quoi. Rosgrim, l'explorateur, a fait une découverte. Un bloc de cobble. Moi, j'arrive pas. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là, toi ? T'es vers la sortie. Il a disparu. Ah, bon, il y a cette grande tour. Je prends un peu de hauteur pour regarder la map. Mais il y en a un qui... Je me fais... Mais... Oh, quoi ? Ouais, c'est quoi ce trou ? Il y a le super zombie, là-bas, là. Super zombie ? Ouais, il y en a parmi nous qui ont creusé, donc... Bonjour. En fait, il y avait de la glow et je me suis dit c'est peut-être en dessous. Il n'est pas très gentil. Et en dessous, il y a quoi ? Bah, il y avait de l'acétone. Regardez-les moi là-bas, regardez-les. Regardez. C'est curieux là, pourquoi il y a un trou ? Oh les mecs. J'ai vu un pseudo dans les murs. Oh, ils sont dans les murs. Ah non, c'est l'entrée, je crois, attends. Ils sont dans les murs. Apex. Léo Zangdar. Apex. Oh putain, ouais, d'accord. Bon, ici on verra plus tard. Ça m'a l'air un peu la galère. On verra quand on sera stuffé. En fait, Léo Zandar est en mode relax. Ça vient de là-bas. Ouais, j'ai trouvé du pain. Attends. Et un casque protection 4. Ah, oh, yeah. Tu l'as trouvé où ? Dans la pyramide. Ah, vous êtes retourné dans la avec pyramide. Avec Ah, moi, je suis pas sorti en fait. D'accord. Bon. J'ai trouvé l'entrée en fait. Je suis en train d'explorer un peu autour, moi, mais. Bon, bah, je suis retourné. Tu les zombies, quoi. Mon dieu. Moi, j'ai pas la série dans mon. Les mecs, j'ai trouvé une échelle pour monter. Oh ! Vas-y, Lortos! Pour sortir de la pyramide, appuyez ici. Il y a quoi dans le coffre? Des seaux d'eau, la laine bleue, une potion de force et une épée. Alors, la laine bleue, c'est pour le monument, parce qu'il y a quand même un monument de la victoire où il faut ramener des laines. Ouais, au cas où il y a un objectif. Ouais, au cas où il y a des objectifs. What? On s'est tous fait TP. Attendez, je peux dire un truc? Moi je dis GG d'Orthos! On a de l'eau! Merci. Non, va te planquer. Il n'y a pas d'eau dedans. Quoi? Tu me feras un ralenti. En gros, ça c'était un jeu pour avoir des sauts et la laine bleue. J'arrive pas. Ah, okay. On a pas eu d'eau en fait. Non, c'est fait niquer. Oh non, c'est abandonné. Oh, ce bruit de. Mais venez, on met tout dans les coffres de toute façon. Mais y a trop de gens. Ah, et j'ai une potion de force, au passage. Personne ne mort. C'est cool. Je me sens un peu tout seul, un petit peu par moment. Oh putain. Y a trop de gens qui partent. Bon, du coup, si je comprends bien, l'eau c'est pas aujourd'hui, ça va être chaud là. Bah, pour l'instant, on a toujours pas d'eau, effectivement. Y'a un zombie qui rentre chez nous.
Je l'avais invité, c'est mon copain. Oh putain, je l'ai fait pas. Bah, il aime pas. Eh, venez, on fait la fête. Qui c'est qui fait la loi ici? Ah. C'est Tug. Vous avez trouvé ça? Eh, mais. Yeah. C'est œuvre d'art, hein. T'as tout cassé, mes œuvres. Mais en ça, on a trouvé dans la forteresse. Il a tout cassé. C'est bon, tableau. Ah, bon. C'est l'heure de s'arrêter? Non, pas encore, mais ce serait bien. Oh. Brioche, il en a marre. C'est quand même. Non, mais je sais pas, tout le monde était là, on s'est fait TP. Je me suis dit, mais c'est quoi? Non, c'est pas une maison. À cause de moi, quand j'appuie sur le bouton, ça a dû vous TP. Est-ce qu'on ferait pas une maison? Bah, oh, une maison, ouais, ouais, quelqu'un peut faire. Mais de toute façon, comme on avait dit, on va faire une sorte de village un peu. Donc, j'essaie de me balader, voir si je vois pas d'autres trucs, explorer la map un peu. Voir si je peux trouver de l'eau, mais. Qu'est-ce qu'il y a? Va être chaud, quoi. Ah, vas-y, Dortos, tu peux y arriver. Merci. Rien de plus dans la. Oh oh. Au revoir. Je continue à te faire exploiter. Mais putain, en fait. Est-ce que j'ai envie d'avoir des cœurs? Dans le manoir, c'est quoi ce truc en haut là-bas? Pardon, j'ai pas compris. C'est quoi, la tour? Il y a un manoir là, ouais, il y a une tour. Ouais, j'y suis allé, mais c'est super dangereux pour le moment, n'y allons pas parce que. Il faut vraiment faire des animaux là, il faut leur faire faire de la bouffe. Bah, ça y est, mais le truc c'est que le reste on peut pas le faire reproduire pour le moment. Et là-bas, le monument avec le beacon, c'est quoi? Pas baiser? Je sais pas, je suis pas allé voir ça. Je vais aller voir ça. Oh mon dieu! Je suis choqué par tant de vulgarité. Elle va pas pouvoir baiser. Ouais, attends, Grim, tu m'attends, je viens avec toi. Moi je veux que les gros tableaux. Il y a déjà d'Ortos sur le chemin. Les petits tableaux, je peux pas. Attendez, j'arrive. Il a dit. Les mecs, attendez-moi, je vais venir voir avec vous ce truc. Ah non, non, mais attends, il me reste 3 coeurs. Tout de suite, en regardant, il a dit. Capoué. J'ai ma popo. Tout de suite, envoie la boîte, hein. Il a dit. Capoué. On devrait peut-être attendre le prochain épisode pour y aller. Ah, mais je me suis fait troll par la popo, c'était une splash. Ah, parce qu'il pleut, c'est la nuit, les mobs ils nous défoncent. Bah, ouais, ou alors on peut commencer à se faire un début de baraque si vous voulez, oui. Oui. Bah, allez, faisons ça. Voilà, on y est. Moi je fais régner ma loi dans la planète, tu vois. Il me reste un cœur, je suis à poil, j'ai pas de stuff. Ouais, bien, on est pas allé. Tranche en deux, recul 2, aura de feu 1. Les zombies, c'est les kékés de la ville. Mais un début de baraque, comment? Toi, tu fais la loi. Alors, le truc, ouais, en fait, moi j'étais parti, vu le nombre qu'on est, on est 6, il y a moyen de se faire un truc style voilà, tu sais, une sorte de petit village, chacun sa petite baraque. Pourrait rendre sympa, mais alors le problème, c'est qu'avec les matériaux qu'on. Moi je vais avec les vaches. Moi je vais avec les poulets. Le truc c'est que pour le moment on a clairement pas assez de. Après on pourra se faire un générateur de cobble aussi, mais. Mais fermez cette porte! Oh les gars, j'ai une patate! Oh, ah, c'est sérieux? Le GG! Yeah! Alors dans le coffre ça aussi, ouais. Jeff, le thug, bah, il faut de l'eau. Est-ce que je peux avoir le seau d'eau? Mais on n'a pas d'eau! Mais on l'a pas trouvé? Non! On a trouvé des seaux, mais pas d'eau. C'est pour ça, on verra la prochaine fois. Vous savez pas faire de l'eau avec de la pluie? Bah. C'est la logique minecraftienne. Bah, s'il y avait assez de fer, on en ferait, mais il n'y a pas assez de fer. Une petite patate. Qu'on soit mûr ou pas mûr. D'accord. On va se tenir sur ses pattes. Bon, Oh merde, j'en ai marre. On a combien de fer, dites-moi? On est dans la merde, en fait, je crois. 4, un seul, en fait. Ouais, parce que j'en ai utilisé pour les sauts, du coup j'ai tu fait de la bouffe. Ah merde. Oui. On aurait dû faire un chaudron. Bah, t'en auras pas. Falot. Parce qu'on a du manger avec mes lunettes. Ah, ouais, avec un chaudron, on aurait de l'eau. Bah, au pire, venez, on mine, on va trouver 2-3 fers. Tiens, je te vomis des. Non, ouais, bonne idée. Vas-y. Allez. Oh, ah, maintenant qu'on a besoin de. Il pleut plus, Rémi. Il pleut plus. Il pleut plus, sérieux. Et je crois que le jour est en train de se lever. Hop, hop, hop. Le journée va t'entendre. Bon, alors, sinon, s'il pleut plus, les meubles vont brûler. Pour la fin de l'épisode, on va voir cette petite structure avec le beacon. Allons-y. Attendez, quelqu'un a de la rotten flèche, s'il vous plaît. Moi, si tu veux, j'ai du steak. Tiens. Ce serait bête de gâcher du steak pour ça. Non, t'inquiète, merci. C'est juste pour régénérer un peu. Parce qu'on est tous des fous. Bon, bah, allons voir le beacon. Tiens, je peux te donner des trucs. Au cas où, prenez les seaux, parce que si c'est un truc avec de la flotte. J'en ai deux, c'est pour ça. Il y a encore des squelettons dessus. Ouais, mais ils vont cramer, t'inquiète. Baston! À la lumière du soleil de mars. Je pense qu'il fait pas encore jour, en fait. Ouais, pas vraiment, là, sinon il crame pas. C'est quoi? Oh, il a une épée, lui. Le creeper va mourir. C'était le zombie tug. Si vous avez des torches, pensez à torcher en passant, comme ça au moins, au plus on éclaire, au plus on sera... Ouais, juste une seule. Bon, ça a l'air d'être une zone de lave, hein, surtout. Ah, mais en fait, j'ai une deuxième. Il y a des échelles pour descendre. La Birmanie. Ah, bon, bah, descendons. Pourquoi? Je crois qu'il y a de l'eau. C'est du lapis, merde. Ouais. Ah, il y a un coffre. Franchement, oh, les mecs, monument à victoire. Des œufs de poney. Distributeur de dirt. C'est le monument. Réserve de sable. Alors attendez, il y a des coffres dans tous les cas, dans tous les endroits. Qui a sorti la laine? Bah, en fait, il y a pas beaucoup de laine. Non, il n'y en a pas beaucoup. Il y a un bouquin. Vas-y, je vais lire le bouquin. Allez, vas-y, quelqu'un lit le bouquin. Prenez ce qu'il y a dans le coffre de derrière, please.
Je vais chercher la laine pour la poser. Elle est responsable. Tu sais, c'est quoi la meilleure laine? Oh non, merde! Laquelle? Qui c'est qui a fait un trou? Personne. Il a perdu en plus. Oh le con. T'avais quoi sur toi? Je mets plein d'épées enchantes. Oh mais non. Attends, il y avait pas de trou. Ça me faisait rire. Bon, Dorthos, dans le doute, ne prends pas toutes les laines. Ah, j'en prends qu'une seule. Je vais bien sauter dans la lave pour. Alors, qui c'est qui lit? Ah non, mais t'avais le bouquin aussi. Mais oui, j'avais le bouquin. Oh mais non. Ah bravo. Bon, voilà. Bon, en fait, ça veut dire vous voilà dans le monument à victoire, mettez la laine et vous êtes trop des fous. Ouais, et puis c'est comme ça que ça se passait. Quoi. Résumé du bouquin version Tug. Et les gars, vous savez qu'on a 6 chevaux et donc du coup on pourrait se balader à cheval sur la lune chacun. Ah, mais c'est pas mal. Moi personnellement, je les mangerais plutôt, mais bon. C'est non. Une voiture, hein. Avec des fruits. Bon rôti de cheval là. Du coup, ce qu'il y a derrière. Un bon son de cheval. Ça n'a pas été pris. Allez, va chercher ton arme. Toi là. Arrête. Explore. Arrête. Ça suffit. Non. Je pense que je mérite les lunettes du Tug pour le prochain épisode. Les gars, je trouve un coffre. Mais t'es où? Y'a quoi dedans? Oui. Je sais pas, il est loin, il est pas... Attends, t'es où? Là. C'est quoi, là? C'est moi, là. Ça me rappelle quelque chose. Oui, putain. Là. Ah, viens voir. Y'a Bri et Xef, regardez. Regardez. Qu'est-ce qui se passe? Une étoile de mer. Si tu mets dans cet angle-là, regarde là-bas, le trou. Retourne-toi de fond. Il faut poser la laine sur le lapis ou sur le bloc derrière? Attends. Il y a un coffre au fond. Ah, moi je propose qu'on aille voir au prochain épisode. Une fissure. Ça vous va? pour te répondre, Dorthos, la laine, tu la poses dans la fente, quoi, dans le creux. Dans la fente. C'est fait. Il faut la glisser dans la fente. Ça a rien de spécial? Non. Bah, j'ai juste entendu un bruit de piston. Bah, c'est bon, c'est que ça a marché. Il y a des gens qui passent derrière moi. Alors c'est clair, ça a marché. Vous allez prendre le coffre maintenant, en fait? Ouais. À la main. À main nue, parce qu'on est trop des fous, tu vois. Non, mais j'ai une pioche si tu veux. Bah oui, moi non, aussi. Je veux aller à main nue parce qu'on est trop des fous. Léo Soptar, ici. Hey oh. Je crois qu'au final, le but qui n'a pas été mentionné a été accompli. Ah oui, parce qu'il y avait un objectif qui disait faire brûler Xef. Allô, attendez, faites attention. Putain, là, je perds mes lunettes là. Il est où le coffre? On va faire ça, celui qui est le plus thug dans l'épisode, il gagne les lunettes. C'est grave. Xef, j'ai une blague. C'est quoi le sortilège le plus thug d'Harry Potter? Allô Moray. Non mais deux fois putain, mais c'est pas possible. Allô Moray. Xef. Ouais, mais allez, c'est pas possible. Oh putain, mais c'est cool. Moi j'y vais pas, j'ai pas confiance. Non, moi j'y vais, mais je veux voir ce qu'il y a là-dedans. Imaginez, c'est là qu'il y a l'eau, donc Ah bah du coup je te jette dans la lave. Et arrête, j'ai une armure et tout. Mais non, il est où on le on avait truc, dit que c'était Rosegrim qui devait aller dans la lave. Non, mais j'ai rien fait. Je peux avoir les lunettes. Je le vois, je m'en rapproche. Mais je te les donnerai, t'inquiète pas, les lunettes de Tug. Tu feras partie de la confrérie. Non, j'ai encore tombé dans la lave, quoi. Tu veux des bâtons de la mort? Oh oui. Tu ne prends pas de bâtons de la mort. Oh, mais tu merde. C'est toi à réfléchir à ton avenir. Je vais rentrer chez moi et réfléchir à mon avenir. Mais, François. Arrêtez de vous battre. C'est pas très gentil. C'est pas toi que je visais. T'es pas vraiment un thug, en fait. Eh bien, votez dans les commentaires qui sera le thug de la fin. Oh, mais ta base, t'avais juste pour savoir, Brie, oui, oui, t'avais des trucs importants? Oh non. Le mot le plus utilisé de l'épisode, c'est quand même thug. Hein. Moi, j'y vais pas. Brioche, t'avais des trucs importants sur toi? Non, c'est ta gratitude. On va faire un question. Adieu. Je prends tout ce que je peux. Adieu. C'était un piège. Mais oui, c'est un piège. Bon, techniquement, je pouvais m'enfuir, mais je voulais essayer de récupérer le master truc possible. Mais je crois que mon stuff a giclé à moitié dans la lave. It's a trap. Est-ce qu'il y avait de l'eau? Non, il y que des fire charges et des bouteilles d'XP. Oh putain, mais merde, quoi. En fait, je crois que là, on retourne à l'épisode 1 parce qu'on a tout perdu. Non, bah pas si, j'ai perdu l'armure, mais... On a les laines, déconnez pas. Bon, on va se retrouver. Ah oui, hein, moi je me retape pas le labyrinthe, hein, c'est mort. Déconnez pas, un peu de sérieux. Attendez, mais il est où le chemin de base? J'arrête pas de mourir. Mais il a été pété le vrai chemin, non? Bah, je sais pas. Oh putain, mais. C'est pété. Oh, y'a rien qui se casse. Ah non, il est là. C'est pété. Oh putain. Dépêche-toi, Grim, ils arrivent. Moi, j'abandonne. Ça va encore être le bordel. la volonté. J'en ai marre. J'abandonne. Bon. Ça te rend deux. Donc, ça confirme que mon stuff is dead. Et ouais, qu'il y avait rien. Je veux pas que tu me reconnectes le jeu. C'est du troll. De toute façon, on va s'arrêter, t'inquiète. Ah bon? Bah, ah oui, on est déjà à 25 minutes, on va s'arrêter. Oh, il y a du charbon. Ouais, oh, bon, on va prendre découverte du. Mon dieu, mais quel bordel, quoi. Tiens, regarde, je suis un thug. François, j'ai perdu. Putain, mais mec. J'ai perdu 2 seaux d'eau, donc va falloir miner pour du fer, les gars. Maintenant, il nous en reste encore 2. Ah, bon, bah oui, ceux qu'on a trouvé, c'est vrai. Très bien.
Bon, il faut vraiment qu'on trouve de l'eau au prochain épisode pour pouvoir commencer à se développer. Hein, mais c'est fou comme même dans Minecraft, l'eau est importante. C'était la phrase philosophique. Un problème de tout. Oh, oh d'accord. C'est vous, dans la lève. Oh non. Pardon. C'est un problème de tuyauterie, je crois. Mais... Ah pardon, vas-y, excuse-moi. Un problème de robinetterie. Ça veut rien dire. Ouais, c'est bon. La robinetterie. Ça veut absolument rien dire. Ça existe. C'est parce qu'on parle de tout. Non. Oh, merde. Regarde, pousse toi, vas-y. T'as pas tout mis. Léo, t'as pas tout mis. Merci. Au pire, j'ai ça, moi, donc... C'était Thug, j'ai laissé l'arbre en mode Thug. Vladimir Poutine. C'est juste que j'avais reposé le bloc de bois. Quoi. C'est bon, je suis sorti. Ouais, idem. Bon, les gens, on va s'arrêter là pour cet épisode. Oh, non, trop riche en émotion. Ouais, riche en émotion. On aura exploré la pyramide, on aura tout perdu son contenu, quasiment. Zef. Oh. Moi, j'ai envie de dire, GG Adorto, c'est le seul qui a assuré dans l'histoire. Zef, ce soir, j'ai récupéré des pompons. C'est vrai. Et puis ben, on se retrouve la semaine prochaine donc pour le troisième épisode. On espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime avant de partir. Allez voir les points de vue des autres cocos. Et rendez-vous bientôt pour François, le mot de la fin. Thug. Allez, bye tout le monde. Ciao. Bye.